Et des applaudissements. Devant la basilique Sainte-Clotilde. Jean-Pierre, c'était à la fois un extraordinaire journaliste, un ami cher et un type formidable. C'est des milieux pas faciles, au niveau de notoriété qui était le sien, de longévité qui a été le sien. Et jusqu'au bout, c'est resté un artisan. Un type humble, drôle, déconneur et infiniment sérieux quand il s'agissait de faire son journal. Là, ça rigolait pas. Important d'être là, de lui rendre hommage et de dire qu'il va nous manquer. Il était lui-même et il a bousculé, il a cassé tous les codes des journaux télévisés pour installer le sien. Il était l'invité de millions et des millions de Français. Chaque jour à table, à 13h, il avait son couvert. À nouveau, hein, les applaudissements au moment de la sortie de ce cercueil. Il y a eu des bravo Jean-Pierre et merci pour tout scandé dans la foule. Et puis après, effectivement, eh bien, ça a été plus silencieux, plus recueilli ici. Les visages sont assez graves et on voit sur les visages bien des gens des attitudes assez marquées voilà, qui font certainement écho aux nombreuses années finalement partagées grâce à l'intermédiaire de la télévision entre Jean-Pierre Pernaut et son public. 33 ans de JT, on le disait, ce n'est pas rien, 4500 heures d'antenne. Voilà, on s'attache finalement au présentateur qui est avec nous et il fait un peu partie de la famille. Donc c'est cette émotion-là qui ressort actuellement alors que le cercueil va bientôt quitter la place, le parvis de cette basilique.